Et on démarre ce journal à 7h en ce lundi matin avec du football et la victoire du LOSC 2 buts à 1 hier face à Valenciennes dans le derby du Nord. Une victoire à l'arraché au terme d'un match compliqué pour les Dogs. Moussa Sow avait ouvert le score pour Lille en fin de première période, mais Valenciennes a égalisé à 30 minutes de la fin du match. Et heureusement pour le LOSC, Eden Hazard a trouvé la solution à la toute dernière seconde. Un résultat satisfaisant pour Lille, mais l'entraîneur du LOSC, Rudy Garcia, s'est montré tout de même assez critique envers ses joueurs à l'issue du match. On l'écoute. Ce soir, on s'en sort bien. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. On a fait une première période très moyenne. Je pense qu'on avait oublié qu'on avait une nouvelle pelouse parce qu'on n'a fait que jouer long et que balancer au lieu de mettre le ballon au sol. Et puis, on était coupé en deux, on défendait à six. Et j'ai fait une erreur. J'aurais dû, comme je le pensais à la mi-temps, enlever un des quatre attaquants. On sait que tous les matchs sont difficiles jusqu'au bout. Voilà, ça on le sait, mais maintenant pensons à Brest. Parce que voilà, ça sera un match important pour nous.